Et salut à tous les amis, c'est Lazan, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode hashtag 8 de GTA 5 et let's go. Et cet épisode sera beaucoup plus long, je pense qu'on va faire au moins 3 bonnes grosses missions quoi. Tout simplement. Il y a des prostituées ici. Donc let's go, on va aller chez Mikey. Ouais parce que l'autre épisode il va pas durer longtemps, il sera dans les 20 minutes. Donc c'est un peu trop nul. Donc du coup là je vais faire en sorte que ça soit plus long. Parce qu'en gros je vous explique, je peux pas faire plus de 60 minutes sur Share Factory, donc plus d'une heure. Des vidéos, je peux faire que une heure pile et voilà, je peux faire qu'une heure pile et du coup bah si ça dépasse voilà quoi. Alors, je peux aller jusqu'à 57 minutes mais si c'est pendant la mission il faut que je la termine, enfin voilà quoi. Mais là on va quand même essayer de faire beaucoup de missions. On va en faire voilà. Pourquoi je fais plus bah pour ceux qui n'ont pas suivi bah, c'est pas bien, mais je fais plus 5 épisodes par mission à cause de ça, donc voilà. Là on va essayer de faire un bon truc, mais bon, comme je sais que les deux missions qu'on a fait dans le dernier épisode, c'était à peu près le même sujet. Donc voilà, là on change de sujet, donc voilà. Donc let's go. Hop, le Santos, la ville fantôme. Bref, acheter. Et j'étais pas sûr que ça passe. Non, j'étais pas sûr. Pense, ça ralentit de ouf. Ah, quand tu te cognes avec le pick-up, et ça te ralentit de ouf. Alors que quand il veut, il peut être rapide, on l'a vu dans le dernier épisode. Allez, à toutes. There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward. Situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent/skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We?
Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! All right. J'arrive en tant que Trevor et je brise des familles. Hop, la radio, on t'encule. On te bouscule. Voilà la retrouvaille de Trevor et Michael. Mais je crois pas que, en fait, je le savais pour l'instant, mais je crois que je vais vous le dire. Mais c'est une hypothèse en plus, donc en fait, je peux vous le dire maintenant. C'est une hypothèse, je suis pas sûr que ce soit ça, mais en gros, je crois que, comme il est de mèche avec le FIB, il avait parlé à Dave, un certain Dave qui travaille au FIB, que vous allez voir après. Et ils ont dû organiser le fait qu'il fasse tuer. Mais en fait, pour moi, le mec là, qui a tiré au sniper sur Michael, il n'a pas tiré dessus à mort, il a fait exprès de tirer à un endroit fixe. Du coup, je pense que c'est ça. Voilà. Vous savez pas c'est qui encore Dave, à part ceux qui ont fait le mode campagne, mais vous allez. Enfin, le mode histoire du GTA 5, vous allez voir. Pas tout de suite, mais après. We're swapping insurance details. I'm beyond pale, okay? It's too late for pale, and its magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga, or talk therapy. I'm a crank, cannibalism, an incest kind of guy. Oh, don't worry, T. You only have yourself to blame. Oh, don't worry, T. They'd skip that talk and go straight to shock treatment with your ass. You two chilled out to say my name, you fat slob. You two relaxed and you laid back Los Santos embarrassment, huh? Is one letter all you can bring yourself to wrap your slothful lips around? Whoa, dude, you do not let the fuck up. I got 10 years worth of venting to do. The let up, my friend, is a long way off. Fine, fine. Do what the fuck you want. One. Well, I want to save your daughter from making an ass of herself. Oh, really, man? Really? What is it? Money or a fight? What? What do you come here looking for? I came looking for you. And I found you. Here we go. Come on. You can't park there. Production vehicles only. Come on, you dipshit. Ah, that host, man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your names? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw this! Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. You need to be quiet. They're auditioning now. You're gonna be just as good then as I've been. All right. Yeah. That was really... really good. All right, it's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right, Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. 3, 2, 1. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music. Yeah. Shake what your daddy's gave you, honey. Get that. I'll stuff a 20 in this. Oh! You fucking do something about this? All right, that's enough. Oh! I said that's enough! Hey, I got security! Security! What'd you fucking hold say? Come on, big guy! Come on, there! No! Fuck! No! Come here, you little shit! No! Tracy, go home! Ouais, rentre à la maison. Let's go. Driver. Allez. On va niquer ce chien de là. Ah, merde.
On va le niquer, son pote, comme on n'a jamais niqué personne. Mais dans le sens niquer, je vais le dégommer, quoi, parce que... Oh putain, ça va dans les deux sens. Je vais le manger. Oh putain. Alors, comment je fais? Non. Ah, ok, c'est bon, j'ai enlevé la truc parce que c'est casse-couille. Comme ça, on sera moins encombré et on aura beaucoup plus de rapidité. Laszlo. Non. Non. J'ai pas réussi à tourner avec ce gros truc là. Merde, non. Commence pas. J'ai pas fait la mission parce qu'on peut pas. On peut pas la fail. Il est dans une bagnole de merde. Bah oui. Enfin, pas tout le monde peut se taper, mais sinon oui. Certes, tu m'as ralenti, mais au moins tu t'es fait dégommer. Même si en fait tu étais innocent, tu voulais juste tourner. Tout ça me fait de la peine. Non, en fait, je m'en fous. Allez, let's go. Non, mais putain! À ce point, sérieux? D'où ça, ça se pète pas? D'où ça, ça se pète putain de pas? Hop! C'est bien parce qu'on dirait qu'il m'attend alors qu'en fait, c'est très bien qu'il apprend cher. Mais bon, comme c'est un jeu, ils ont fait exprès que tu nous attends quand on le perd, je pense. Ou alors dans une course poursuite qui respecte le code de la route. C'est sûr que si je réussis à tourner, bah c'est sûr que si je freine. Oui, mais sinon non. Mais bon, j'ai freiné donc c'est bon. Non, ça c'est la musique épique normale qui fait partie du truc, c'est pas la radio. Putain! Je vous jure que ça me saoule vraiment parce que je vous jure que si j'ai un échec de mission juste parce que ce gros truc ne tombe pas et que du coup je le perds, en sachant que moi je sais où il va être mais je connais pas la route. Ah ben on y est bientôt. On y est bientôt. Excuse-moi, merci beaucoup. Bam, c'est les 600 ans, c'est là où on a fait Dreamville avec les flics après le braquage de la bijouterie, enfin en même temps dans la même mission, voilà. On dirait que c'est arrêté. Guys, you run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now, I got multiple sexual harassment lawsuits, plus... I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right. All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. Come on. Oh. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right. Come on, get off. Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh?
shit. Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Hop, ça c'était Dave, mais d'ailleurs je viens de me rappeler que si en fait, vous l'avez déjà vu et vous avez peut-être oublié, c'était le mec après le braquage de la bijouterie, il a dit eh merde, pourquoi vous avez fait ça? Et Trevor, il est où? Et il a dit qu'il était mort, en fait non. Michael, il a dit qu'il était mort, en fait non. Et Dave, c'est lui. Voilà. Tout simplement le Mont Blanc, tout simplement le Mont Blanc. Alors on va aller au FIB, puis après on ira faire la mission avec Trevor, puis après on arrêtera cet épisode. La mission avec Trevor, j'ai juste peur parce qu'elle sera un peu longue. Hey Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Effectivement, 265 713. On aimerait tous avoir une somme comme ça, qui sort de nulle part. Mais écoutez-moi bien, c'est impossible, tout simplement, voilà. À part si vous êtes le poudron châteux, mais dans ce cas, imaginons là, la personne est profite de l'argent. Là. Elle a pas fait exprès, là, je sais pas, la banque ou tout ça, là, elle l'a pas fait exprès, mais elle va le voir, elle va vous le retirer, donc au final. Voilà, là, c'est que parce qu'on a fait un braquage et qu'il a blanchi l'argent. Donc c'est quoi? Parce qu'en fait, on appelle ça l'argent sale. Je comprends pas en fait. Genre en fait quand tu fais un braquage c'est de l'argent sale. C'est à dire qu'il n'est pas... Genre ça veut dire que c'est pas les billets que vous avez légalement. C'est qu'on a illégalement. Mais ça veut dire que la banque, avant de les donner, ils font en sorte que ça devienne de l'argent propre. Putain je sais pas. Je sais pas. En tout cas l'argent sale, ils appellent pas ça parce qu'ils sont sales les billets je crois. C'est parce que c'est les billets cash quoi qu'on récupère comme ça. Je pense que c'est ça. Même si j'ai déjà vu dans Breaking Bad qu'ils mettaient les billets dans la machine à laver, donc je sais pas. L'argent sale c'est ça, et du coup, voilà. Donc c'était le petit point de l'argent sale. Aïe. C'était le petit point de l'argent sale. Non. J'ai jamais compris c'était quoi le N sur cette carte. Sur tous les GTA, il y est ce N, mais je comprends toujours pas c'est quoi. Sur San Andreas, il y était. Sur ça, il y est. Sur toutes les cartes de tous les jeux de GTA, je crois, il y est. Sur GTA 4, il y est. Je comprends pas. Ça m'étonnerait que ça voudrait dire Nord. Pour la seule et unique raison que... Sinon, il y aurait le sud et tout, donc c'est pas ça. Et puis, je crois que dès que je suis sur la carte, je vois pas ce que c'est. Non. Ou je sais pas. Je sais pas. En tout cas, let's go. On est bientôt arrivé. Qu'est-ce que t'as avec ta bagnole? Simplement, le Mont Blanc. Oh, j'ai pas le droit de rouler là, je m'en fous totalement. Martin Madrazo, mes couilles, on l'a payé donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on a les couilles maintenant? Donc voilà, au cas où je vous savais pas, les voitures ne sont pas censées aller là. Voilà, dans ce que certains peuvent. Davey, how you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Dave, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if not when, he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are
my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Coup de matraque. Et là-bas, mon lapin dans le sang! John Doe, white male, overweight, in his late 40s, hustle corner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. Probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. What the? Jesus! Get back from the dead, motherfucker! Encore une fois, pas encore venu des morts. Alors cette mission, je vous préviens, à moins que je meure, parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous dire juste après. Non, en fait, je vais vous dire tout de suite, parce qu'en fait, comme j'ai pas mes armes, j'aurai qu'un petit gun qui tient dans sa main. Et du coup, c'est de la merde. Et du coup, il y a moins que je meure. Voilà. Donc, attendez-vous à des échecs de mission permanente. En attendant, toi, tu vas trouver. Pum. Enfin, t'es pas mort. Je t'ai juste pris ton putain de flingue. Hop, là, je t'ai pris ton flingue. Hop, vous voyez. Non, c'est clairement pas lui. Et ça, je sais que c'est pas lui. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. C'est drôle parce qu'il y avait une étiquette sur ce corps. I found the toe tag, Ferdinand Karamov. It's on some big black lead. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Misère. Regardez comment il est nul ce flingue. Vous voyez, parce que des fois, il y en a, ils ont des putains de fusils à pompe. Tout un peu. Ah, mais lui, il en a un. Lui, il en a un, je vais le prendre. Tiens, prends ta part, mon connard. Non mais... Non. Ah oui, j'ai plus de mine dans mon truc. Je sens que je vais crever comme pas possible. Mes armes, ils sont en haut, mec. Ça, je sais. Hein. Sinon, je l'aurais prise. Voyons donc. Non. Mais putain, mais... Oh, ok, je croyais que je l'avais pas. Tente, je crois que je suis sur le point de crever. Don't you move a muscle. Die. Oh mais j'ai tellement stressé pour monter là. Je savais que ce con m'attendait donc j'ai stress. Je vais prendre ça parce que c'est toutes mes armes.
Oui, j'en ai une petite protection, donc par balle, donc ça va aller fort. On va là, quoi. Bam, enculé. Allez. Hop. Ah, plastique jaune. À 3 étoiles. J'avais un souvenir qu'il y avait soit une étoile, soit... Mais il y avait rien de ouf. On va passer par là. Et on va essayer de fuir. Bon, bah, la technique est très simple. Hein. On voit le radar. On esquive les flics. Dès qu'ils sont à notre chef, on va pas dans leur radar. Et puis c'est nous, quoi. Ce qui me semble logique, au final. Oh, putain, mais t'es toujours obligé de balancer une voiture pour me casser les couilles. Là. Oh, putain, c'est bon. J'ai trop de chance. Moi, je crois qu'il y a une bagnole de flic qui descend. Oh putain, j'ai eu de la chatte. Et ben là, putain, j'ai eu un enchaînement de... Ah, là, j'ai... Ouais, non. Ouais, non, pas là. Mais putain, enculé de ta mère, arrête, t'es chaud. Oh putain. Non, ça m'énerve parce que là, je sais très bien qu'il m'a vu. Oh putain, excuse-moi, mais... Je supporte pas de me prendre des trucs à la noix comme ça, là. Je vais tourner. Tant pis s'il me voit. Hop, ils sont descendus, donc ils se sont ralentis eux-mêmes, c'est bon. Alors, c'était censé être bien. Mais c'est pas ouf. Non, mais non, mais c'est bon, vous pouvez arrêter, c'est pas ouf. C'est de la merde. Non, vous pouvez arrêter. Et je vous jure, je fais pas exprès, mais... Putain, il voit 50 cascades. Mais franchement, ça me donne pas envie de continuer. Bon, allez. Trèfle de bavarderie. Que de fou. Ok, je suis dégage. Il y a toujours un truc pour me faire chier. Toujours. Trevor, ça compte en tant que Michael. Qui va tourner? Bien sûr qu'il tourne. Fallait qu'il tourne, voyons. S'il tournait pas, ça aurait pas été drôle. Yes! I like this car! Hey, Mike! F! Hey, we need to talk. Quick, meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not... Bon, j'avais dit que je continuerais pas, mais celle-là, elle était tentante. Et puis en plus, franchement, c'est l'une des seules que je vais réussir des deux, donc franchement, ça passe. Dépêche-toi, s'il te plaît. Oh non non, putain non, putain non, je l'avais pas vu. J'ai Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the bureau or the agency. Vous le super vite. On voulait pas comme ça dans la vraie vie. Like I care about you. Je sais ce que je dis, j'ai même pas mon permis. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Sign it, sign. C'est breaking news ça, ce truc d'interview là. Jean-Patrick Brideau y travaille. Alors, on va rejoindre Franklin. Franklin. Hey, c'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. Hey, c'est Franklin.
Il a pour jouer avec toi. Hey, Franklin. What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? You remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but, you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problems started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Et ben voilà. Ils ont réussi, ils trompent la mort. Donc, on va aller faire la mission avec Trevor. Bah, du coup, faut prendre Trevor. Bam. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, ce changement. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Pas sûr, en fait. Où est-ce qu'il était encore? Parce qu'en fait, Trevor, à chaque fois qu'on le prend, il est soit au club du striptease, soit il dormait en caleçon quelque part. Ok, là, ils sont embrouillés. Ok. Soit il dormait en caleçon quelque part, il était à une fête, il se réveillait en caleçon. C'est chelou. Non, me dis pas qu'il était au-dessus, je t'en supplie, me dis pas. Putain de merde, il était au-dessus. What? T'as fait un super méga saut, n'empêche. Allez, je vous en supplie. Oh yeah. Regardez où il a mis son véhicule, ce con. Mais ta gueule. Vous vous rendez compte de ce que je viens de faire? Attendez, what the fuck? J'ai fait ça. Et j'ai fait... Non. Putain. C'est pas les couilles. Hop. Et j'ai fait... Non, mais... Bon, vas-y, ça me... Enfin, me casse les couilles. Hop. Enfin bref, vous avez vu, c'est le principal. Je sais même pas ce qu'il allait foutre dans un hôtel, ce Trevor là. Ce vautré, c'est vautré. Non, casse-toi. Casse couille. Casse boule. Vous avez vu qu'on a plein de missions avec Michael, on ira les faire dans le prochain épisode. Là, on va faire la dernière mission avec Trevor de cet épisode.
Mission. Brad. Mon cul, ouais. Va aller chez mon cul, Brad. Non, je déconne. On est déjà passé devant lui. Ce 5 par rapport à GTA 5. Allez, à tout de suite. Oh merde. Il me fait un doigt en plus. Moi je sens mon gars, il flippe. Trevor is a good guy. He's quite family. That's it, ain't he, Floyd? That's it, right, yes. Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's going to leave me. I mean, this is her place. And the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Now, Mr. Raspberry Jam. He died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Oh, show me. Oh, no. Show me, boy! Okay. I don't want to. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run, we got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really miss... Il a raccroché, il s'en bat les couilles. Allez, on va aller au doc, au travail de Floyd, faire des repérages. Aller à la jetée 400. Let's go. Come on then, Floyd, what you got for me? Like I said, I don't rightly know what we got. You're gonna have to be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school, and I've been regretting it ever since. Boy, always work a stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want, and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right. Thank you. Well, how's this? $236 million worth of cargo paid for the port of Los Santos last year. Quand son pick-up prenait notre voiture très bien. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Tiens, un truc de Star Autocar. Il y a que des tocards. Trevor, there's been a
call these, Meriwether folks? Trevor! Meriwether security Trevor. Consultant. Trevor. Trevor is it? Trevor is it? The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe? No, 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 no! To operate on U.S. soil? That, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it. Je dis qu'elle est longue parce qu'elle est un peu chiante et lente. Perfect. Can I get on board? Je sais qu'un jour, il y a longtemps, c'est genre il y a très longtemps, c'était quoi, il y a 2-3 ans, j'ai bloqué sur cette mission et dès que je l'ai réussi, j'ai revu. Tu peux trop faire genre t'as des potes Floyd alors. En fait ici t'as pas de potes, tu travailles juste parce que tu fais une... Oui mais t'as pas de potes ici. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Je te suis Floyd. Donc déjà, vous allez voir que c'est beaucoup trop lent parce que là, déjà, je peux pas courir. Je suis obligé de marcher et comme ils sont là. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters sur 15 mètres. Response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Mais la toute différente d'un docké en fait, tu vois. Le gilet c'est pas le même et il a un bonnet au lieu du casque. Et c'est ça le gilet. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. Non, il y a la même que moi. Ils ont tous la même que moi en fait. Mais bon, vous m'avez compris. Putain, je suis obligé d'attendre que Fly soit là pour prendre. Non, il est casse-couille. Vous vous rendez compte? Genre, avec ça, c'est chiant. Je suis obligé d'être à côté de lui pour y aller. Non, et putain, mais lui, il est par terre, le second. Non, il est pas un ouais, c'est bon, reste tranquille. Frère. Reste tranquille. Frère. Je te dis que j'ai pas envie, ben je ne le ferai pas. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. Mais du coup, déjà rien que ça, ça va être long. Il va falloir ramener les conteneurs juste ici à la voie F là. Okay. Il y a le code de la route au doc. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier when he's neck deep in shit. They're so on to us. Le B pour la mettre au F. Ouais, merde, faut faire gaffe avant, parce qu'après ils vont dire t'as été cramé. Et c'est pour ça que je pouvais pas avancer. Bon, moi c'est réaliste. M'en fous. Non, là j'ai fait le malin, mais en vrai, je crois que si je faisais tourner un peu plus haut, ça me mettait échec. Nah, I need to
to take some pictures. Merde. Send them to my guy, Ron. Oui, aussi, c'est les cons, le véhicule. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot! Be careful! Ils n'ont pas le temps de faire attention, car je m'appelle Trevor. Que je lâche un petit raptor stylé. Mais genre, rouler à 10, ça roule à 5, mon truc. Et puis vous arnaquez là, hein. Vous êtes pas foulé, Rockstar. Ça se voit que tout est à 10. Alors qu'en fait, faudrait être un peu plus rapide des fois. Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be backbreaking work. Now you're paid brain surgery busted, pushing oversized shopping cart. I did not fellatio, but we get this job. Deborah's old friends with the... Well, with the... With the say no more. Il est là-bas, le sujet, là, le bateau. On ne travaille pas ici parce que Trevor lui-même travaille et lui, il est au chômage. Bon, sa retraite. Sa retraite. If my work here is done, I'm going up the gantry. Oh, de cette grue. Let's go. Moi, je laisse le truc comme ça en plan. Je suis drôle. Non, je suis drôle. Allez. Mais c'est pas grave. Let's go, on monte. On monte à cheval. On monte à cheval. On monte à cheval. Mais c'est bon, j'ai compris, j'étais encore là. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Alright, I'm here. What do I do? Bien évidemment, je prends cette vue parce que c'est la meilleure pour cette mission. Hein. Y a pas mieux. Hop, allez, on se la fait en speedrun, bam. Looks like you're in line. You got it. Now pick it up so it'll clear the other containers and move it down to the end. Take us to the other end, bay number 5. Right down at the end. Bah jusqu'au bout, c'est ce qu'elles disent toutes. There's the truck. Set it down gentle. You want to line it up with the frame of the truck. The truck is clear to go. Attends, on aurait dit qu'on était dans l'espace. Working together. Now let's do the same thing again. Et let's go, on va aller chercher le dernier. Allez, putain, je suis trop lent. Et allez! Yamido! En plus, je pourrais très bien prendre des conteneurs qui sont là. Hein. Enfin, dans la vraie vie, non. Et dans le jeu, dans le boulot, non. Mais genre. Genre, si je prends ce rouge-là, je pourrais très bien prendre un autre rouge et le mettre dans le conteneur. Mais non! Faut respecter la loi. Enfin la loi, il n'y a peut-être aucun rapport. Enfin bref. Tout simplement voilà. Et ceux qui jouent à GTA, qui font cette mission et qui travaillent en tant que dockier pour de vrai, ben, c'est trop bien. Parce que ils connaissent. Ils disent ah ouais, je fais ça. Ah merde. Genre je l'entends là depuis là. Ah mais oui, quoi que ouais non ouais je suis con. C'est logique en fait. Mais évidemment qu'il va falloir faire des photos, tu crois quoi là. On va devoir faire des photos pour Ron. Non mais non. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en photo en premier? Prenez photographier l'avant du bateau. Hop, l'avant du bateau. Continuez. Prenez une photo d'un gars d'abord. Au KTP babouche. Et l'ensemble de l'arrière. Au KTP babouche. Envoyez une photo à Ron. Ron. Là. Du schnock. C'est bon. T'as reçu tes photos, t'es content? T'es content, t'as des nouvelles de Trevor? T'es aussi vif qu'un loup! Tu réponds vite.
Je sais pas combien de temps d'épisode on est, mais j'espère que... Bah tant mieux s'il est long et que ça passe, mais si il est pas long. Non, s'il est long, trop long et que ça passe pas, mais du coup c'est chiant. Non, connard. Vous êtes très bon. Je vais pas arrêter d'insulter parce que... je te verrai jamais, quoi. Je dis pas que t'existes pas, parce que l'acteur il joue dans The Walking Dead, celui qui a prêté sa voix à Trevor. Mais voilà, quoi. Enfin, bref. Monter dans le camion. Bah, en fait, enfin, je sais pas si vous êtes con ou si vous le faites exprès, mais voilà, quoi. Tout simplement, ça fait un bail que c'est fait, ça. C'est la première personne. Putain, je suis le seul docké qui marque. Enfin, un docké ou docké, je sais pas comment on dit. Qui roule comme ça, ça. Oui, j'aime bien des bras, moi aussi. Non, j'ai rien dit. Attention, faut pas se faillir celle-là. Longshoremen's one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. T'as envie de tirer sur ces trucs, hein. Et je parle pas du commerce, je parle des bidons, là, qu'il y a mis. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life. Floyd, it's lucky we turned up when we did. I'm saving you. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. Hey! You can't come through here. It's restricted access. No entiendo. No understand you. Huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop! Where the fuck do you think you're going? Get back out! Hey, I got confused. God don't speak English. Must have read the manifesto. He said, no, here. Quittez la zone interdite. À vos ordres, capitaine. Allez, let's go. Quand on termine, parce que je vais pas vous le cacher, j'en peux plus. Là. Mes os veulent respirer. Mes veines. Non, mais non, toujours plus. Trevor, these photos, you've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Hop, parce que je peux pas le faire au téléphone, d'après ce que j'ai vu. Donc let's go. Allez, on prend ce pont là qui me fascine toujours autant. Mais enfin, je m'en fous. Ah, je suis mort les gars, vraiment j'en peux plus là, il me tarde d'arrêter cet épisode. On a bientôt terminé. Après je vais monter le premier épisode. Le monter, je vais enlever quelques trucs comme je fais pour les autres épisodes, hein, pas grand chose. Puis après je vais le mettre à publier. Enfin ça va charger pendant longtemps, après je vais le mettre à publier, ça va mettre longtemps. Puis le premier épisode, enfin le premier épisode d'aujourd'hui sera publié, donc l'épisode 7. Normalement c'est le 7. Et ben c'est good. Blentag. Et du coup, ben, je ferai l'autre. C'est comme ça que je fais.
Donc là, tout ça, je l'ai fait le matin. Enfin, lui, il doit être midi à l'heure où je le fais. Ou vers bientôt midi. Non, mais non, c'est sûr qu'il est midi, j'ai rien dit, c'est sûr qu'il est midi. Il doit bientôt être 13h même, je pense. Enfin bref, en tout cas, je vous le dis à l'avance, qu'il y a moyen qu'il n'y ait pas d'épisode, imaginons demain, c'est possible, hein, on sait jamais, vous connaissez. Je vais jamais laisser tomber ce let's play, mais bon, si ça peut, si genre au bout de 3 jours il n'y a pas d'épisode, ne vous inquiétez pas, je le ferai quand même. Vous avez bien vu que là ça fait 3 jours et que j'en ai fait quand même au final. Donc let's go. Je me demande à combien de temps on est là. Actuellement où je parle, vous savez. Moi je sais pas. Je pronostique un petit 41 minutes. Si c'est le cas, bien évidemment, j'ai beaucoup trop le temps. Beaucoup trop le temps. Putain, j'adore rouler sur GTA 6. Let's go, on va monter. Et moi je vous dis à toutes. What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming. Coming. Oh, it's there, Wade. Look, Benny, you're just not cut out for honest work, all right? Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, it's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And there, perfect. All right, so, based on my observations, I'd say these Merryweather... On va le passer tout seul, les gars, on va le passer. Je vais juste aller là où j'ai choisi. Alors, je vais prendre le cargo, parce que cette mission, j'ai déjà fait, je me souviens. Et j'en pleurais parce que je n'avais pas trouvé. Et là, je pense que 2 ans après, je peux y arriver. Non. You and Floyd can help. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam and got my union. That's all I got. So why don't we just, let this all slide? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! No bath! Du coup, voilà les gars, donc ça s'est coupé, mais normalement, comme il n'y a même pas une minute, donc là, c'est bon. Donc, en tout cas, merci les gars d'avoir regardé cet épisode, et on se retrouve demain, normalement. Non, peut-être pas demain, après-demain. Bon, je vais pas vous le dire. Allez, ciao.